Comment tu t'appelles? Mabunu Bakayoko. Ça veut dire que tu joues là? Oui, je suis du là, je suis quoi? Tu manges kabato? Quand tu manges du kabato? Non, je mange manioc. Ah, c'est la même chose. Oui, c'est pas manioc. C'est nouveau, c'est kabato. C'est kabato là-bas. Ah oui. Qu'est-ce que tu avais quand tu venais ici? Quand je venais ici, ça va pas, ça n'allait pas même. J'allais mourir. Si c'est pas grâce. J'ai pas Dieu. Si c'est pas Dieu grâce, j'allais mourir. Ça n'allait pas du tout, du tout. Je suis expliquer. Fatigué. Faut bien expliquer comment ça n'allait pas. Ça fait 3 ans ouais. Que je suis malade. Ouais. Je suis dans souffrance. Moi, je travaillais. Je gagnais l'argent plus que mon mari. Je faisais deux boulots. La personne qui faisait des boulots aujourd'hui qui n'arrive même pas à faire quelque chose. Vraiment, j'étais étonné même. Oui. Mon mari est fatigué. Si on dit l'argent, il l'a dépensé. J'ai fait Mali. Oui, j'ai fait quoi quoi. Oui, Marie. Il est fatigué derrière moi. Il est fatigué. Je le félicite. Vraiment, c'est un mari. Si c'est pas vraiment c'est un mari, je le félicite. Il faut avoir les maris capables. Hein? Si c'est pas à lui de dire j'allais mourir, il a dépassé. La fin de conseil, il a laissé sa confession. Il va les soigner. Il a dit l'argent là c'est bon. Il dit ah, si toi tu n'es pas en bonne santé, c'est moi qui n'ai pas en bonne santé. Vraiment, moi aussi, je lui souhaite bonne santé, bonne longue vie, avec tous nos enfants, que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup pour l'amour que tu manifestes pour ton épouse. Merci, c'est un grand témoignage. Vraiment. Elle était fatiguée. Salut tout le monde. Oui. Il n'est pas pour que je la dise. Oui. Parce que Dieu nous conduit d'un à l'autre. Oui. Quand je dis ça, monsieur et madame, s'il y a l'argent dans le foyer, c'est bon. Merci, vous avez bien compris. S'il y a l'argent dans le foyer, c'est bon. D'après monsieur, si ça passe, c'est très bon. Moi, je suis en intérêt, ça fait 23 ans. Ça ne fait pas beaucoup. Il a fait 1998. Moi-même, je suis arrivé en 1993. J'ai travaillé à la CDT. J'ai fait ma maison avant de venir en Italie. Donc, Dieu merci. Nos 8 enfants, ils sont tous ici en Italie. Ils travaillent tous dans la grâce de Dieu, du Seigneur. Les filles sont déjà mariées. Les garçons sont avec nous à la maison. Le premier garçon est marié. Ça, c'est dans la grâce de Dieu. Et grâce à vous, le Seigneur. Donc, on vous remercie, le bon Dieu nous a porté. Elle n'allait pas, ça n'allait pas du tout, hein, c'est ça? Comment? Ça n'allait pas qu'elle venait ici. Ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas du tout. Elle marchait pas. Elle marchait pas bien. Elle ne marchait même pas. Elle marchait contre le mur. Contre le mur, elle a frappé. C'est ça. Même les enfants sont à la maison, là. Quand ils vont la voir, dans YouTube, ils seront tous contents. Il faut marcher un peu. Merci, merci. Tous ceux qui ont fait Palermo, qui ont fait plus de 5 ans, 6 ans à Palermo, la connaissent ouais. Très bien. Comment elle travaillait bon, voici notre voisin qui est là. Ouais. Le vieux Bakayoko ouais. Et sa femme. Ouais. On était tous à Palermo ensemble. Ouais. Non, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est. Ouais. Elle a guéri, c'est fini. Ouais. Amen. Je vais vous donner un contact, vous allez m'avoir directement. Pas de problème. Le numéro privé, c'est direct. Merci beaucoup. Si on s'y fait à Dieu, en juin, elle va pas trop. Elle va pas trop. Comme elle a guéri. Merci beaucoup. Si elle vient, passe d'abord à Divo. Non, Divo, c'est pas trop. Ah, c'est super. Moi, je parle de Divo, tout ça. Ah, c'est super. Amen. 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 Voilà, nous allons maintenant recevoir les gens. C'était vraiment pathétique. Elle est guérie miraculeusement par Jésus-Christ. Moi-même, j'étais là. Vous êtes venu très tôt ici. C'est depuis hier qu'on est là. Si, hier. Assez-toi un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons procéder à la réception.